Bonjour mes amis, comment vous allez? Vous allez bien? Moi, ça va. Alors mes amis, on est de retour pour le pronostic de la dernière minute. Je vais choisir mes 5 meilleurs qu'il y avait dans mon collection d'Okinti. Ceux-là qui n'ont pas vu la vidéo de collection de 8 chevaux, ils retournent aller les voir. C'est vraiment très intéressant et je donnais beaucoup d'efforts pour vous trouver les meilleures collections. Voilà mes amis, alors demain oui parce que j'ai fait une vidéo la jour d'avant. Alors ça court à Chantilly mesdames, mes amis, on va aller à Chantilly. Faites vos gaffes, demain il y a 18 partants, la course il est très 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 dur. Vraiment, moi j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai senti bien cette course. Mais moi j'aime quand c'est dur, c'est là où je trouve les meilleurs. Voilà mes amis, il y a 1 million d'euros à gagner pour le jockey et pour le pronostic. Et celui-là qui a gagné, qui était dans l'ordre. 1 million d'euros, ça partage, mais que la France, pas l'étranger. Voilà mes amis, des 18 partants. Réunion 1, course 5, ça court à 4h après-midi. Voilà, je vais choisir mes 5 meilleurs avec mes deux pépites de jour, comme d'habitude. Je vais donner là mes amis, on commence. On commence toujours, c'est pas changé, c'est numéro 6 pour moi le gagnant. Numéro 6 Morande. Ce cheval, il avait deux courses cette année, il a fait deuxième, quatrième, et l'année dernière, il avait 7 courses. 3 fois divisé gagnant et 2 fois placé après regagnant. Ça fait 4 fois gagnant et 2 fois placé. Pour 7 courses, il n'a pas raté. C'est un très très bon cheval, faites-vous gaffe à ça. Comme qu'est-ce que j'ai expliqué sur le 6 qu'il est rentré samedi. Il est rentré gagnant. Hein. Les jeunes joué les 12 gagnants. Moi, j'ai dit le 6. J'étais sûr pour sa musique et pour sa forme. Je lui ai dit qu'il avait gagné 5 fois défilé. Ben, il a regagné 6e fois aujourd'hui, samedi. Mais exactement celui-là aussi, il a la même musique. 4 fois gagnant et 2 fois placé sur cette course. Il n'y a aucun perdu. C'est que c'est un très bon cheval. Numéro 6, un outsider de 7 contre 1. Mon deuxième, mes amis, c'est numéro 5 avec Barcelona. Il avait 3 courses cette année. Il a fait première et deuxième. L'année dernière, il avait une course, il a fait deuxième. C'est numéro 5. Mon troisième, c'est numéro 2 avec Olivier Pellier. Il avait 3 courses, il a fait première et deuxième. L'année dernière, il avait une seule course, il a fait gagnante. C'est mon troisième. Mon quatrième, mes amis, c'est pas changé. C'est numéro 16. Numéro 16 avec Bachelot. Ce cheval, il avait 3 courses. Première, cinquième, première. Cette année, l'année dernière, il avait vu 5 courses. Deuxième, première, cinquième. Un très bon cheval aussi, numéro 16. C'est un outsider de 30 contre 1. Et il a la corde de 10. Mais c'est pas grave, avec Bachelot, un très bon jockey, il va sortir de sa corde. Après, c'est mon quatrième. Mon cinquième cheval, c'est numéro 4. Numéro 4. Voilà. Numéro 4 avec Duel. Il avait 3 courses. Cette année, il a fait première et troisième. L'année dernière, elle avait la seule course, il a fait 4, troisième. C'est un très très bon favori aussi. Alors là, déjà, c'est numéro 4. Déjà, 5, là, on tenait bien un très, très bon tirsi, un très bon multi. Et si on fait les bases, on agit avec les deux croix, on rajoute les autres derrière. Multien 6 ou multien 7. Vraiment, nous, on a fait un très bon couplet, gagné un placé. À mon avis, je vais jouer si l'un 2 sur 4 demain, même à 2 ou 3 fois. Et j'essaie de faire un couplet, même à plein tarif, et voilà. Une très très bonne base, ça, demain pour le couplet, pour les multi. Alors le 6, le 5, le 2, le 16 et le 4. Mes deux pépites du jour, le premier pour moi, c'est le numéro 12. Numéro 12, c'est un outsider de 8 contre 1. C'est Soumion son jockey. Il avait 2 courses cette année, il a fait première 4e. L'année dernière, il avait 5 courses, non, 4 courses. Elle a fait 5e et 3 fois gagnant. Dommage, j'ai pas de place. J'ai pas amené dans mon pronostic. Celui-là qui ne voit pas dans mes pronostics, il a mis le 12. Avec Soumion. Ma première pépite de jour.
12. Et ma deuxième pépite de genre, c'est un outsider qui est très en grande cote. Très grande cote. Moi, je le vois dans le Kinti. Il n'y a personne qui veut la ramener. Moi, je le sens bien dans le Kinti. Il a un très bon métier. Là. Lui-là, alors, il a le métier mieux que les autres, je pense. C'est numéro 13. Un outsider, 75 contre 1. Mais c'est un cheval qui a trop couru et qui est en forme. Elle avait 3 courses cette année. Elle a fait 4e, 2e, 5e. L'année dernière, elle avait 5 courses. Elle a fait 9e, 2e, 1er, 3e et 2e. En fait, elle a plus de métiers que les autres. En plus, Mangio, j'adore Mangio là-bas. C'est un cheval de Barbu Dite. Et oui, moi, je trouve qu'il est pas mal ce numéro 13. C'est mon deuxième pépite du jour. Un cheval en côte comme ça, celui-là qui fait un chan réduire Kinti ou un chan réduire Tirsi. Vraiment, le 13, je le vois, il ne peut pas payer. C'est la course, il va payer, il va rentrer numéro 13. Il n'y a personne, je crois, qui veut la ramener. Voilà. Et il y a toujours un côte que les jeunes ne les voient pas, c'est normal. Comme avant-hier, là, que j'ai amené le 15. Il n'y a personne qui l'a donné dans la pépite du jour, et à 40 contre 1, il est rentré premier. Encore avant, il y a aussi le As, là. Hier, le As, à 40 contre 1, il est rentré. Je l'ai donné dans la pépite du jour, et je l'ai donné dans les pronostics. Voilà, mes amis. En tout cas, on va répéter. Le 6, le 5, le 16. Le 4, en fait, j'ai fait que 4, il me manque un de la pépite de jour. Ah mince, ouais. Ben, je leur ai fait le 7. Ah oui, j'ai fait quoi? Le 7. J'ai fait le 7, mon troisième pépite de jour. En fait, je l'ai pas, j'ai oublié, je crois que j'avais ramené le 7. Parce que j'étudie trop et ça fait un peu mal à la tête. Quand j'étudie pendant 2 heures et demie. Alors, j'amène Pasquet, numéro 7. C'est mon meilleur aussi, j'ai oublié. Numéro 7, Pasquet. Ce cheval, il avait 2 courses. Il avait 7e et 3e cette année. L'année dernière, 4 courses. 1er, 2e, 3e et 2e. Voilà, mes amis, numéro 7. C'est mon 5e avant les pépites des deux jours. Parce que j'ai fait les 5 plus les pépites des deux jours. Alors, on a dit le 6, le 5, le 16, le 4 et le 7. Ma pépite du jour, mes amis, c'est le 12 et le 13. Voilà. C'était le 7, en fait. C'était pas le 4. C'est moi que j'ai trompé. On avait le 7 à la place du 4, mes amis. Voilà. Je vais vous montrer, mes amis, le ticket. Alors, mes meilleurs que j'ai pris dans mon collection de chevaux, celui-là qui n'a pas vu le retour, on allait voir, le 6. Le 5, le 16, le 7. Le 7 et le 4. J'ai toujours, ça fait mal à la tête tout ça. Et ouais, ça fait mal à la tête. J'ai marqué 2 fois, c'est pour ça. Et le 7 et le 4, oui. Et le 13 et le 12, mes deux pépites du jour, mes amis. Bon, m'oubliez pas encore avec like et abonnez si ce n'est pas déjà fait. J'ai fait cette vidéo, vraiment j'ai forcé parce que pour étudier longtemps et après faire les vidéos, c'est pas facile. Je n'ai pas encore pris un petit repos ce dimanche. Voilà mes amis, je suis très contente que j'ai pas préparé cette petite vidéo. Il fait chaud en plus. Oui, vous attendez rendez-vous pour la vidéo de pronostic de lundi. Et je vous souhaite un très très bon week-end en espérant qu'on va gagner bien ce dernière course de ce week-end. Comme hier, on avait quand même gagné, on avait Tirsi, Kinti, Quartil, Milti, 2 sur 4, 4 ou 5 fois. On avait tout aussi. Voilà mes amis, même celui-là qui ramène mon 12, qui l'amène, je l'amène dans la pépite de jour, dans les 5 premières à la place de... À la place du 8 qui est le non partant, ben il aura fait même le quinté désordre à 200 et quelques euros. C'est passé, on verra qu'est-ce qui va arriver demain. Et je vous souhaite une très bonne chance, mes amis. Et beaucoup, une très bonne santé et beaucoup de gagner. Et vous n'oubliez pas avec votre like et abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et vous attendez le pronostic de lundi. Au revoir.
Je vous souhaite une excellente journée, mes amis.